Et voilà, on se retrouve pour le troisième épisode. Hein, donc encore une fois, je le tourne directement à la suite du précédent, enfin, des précédents. Donc bah déjà première saison pour laquelle il y a un troisième épisode. Donc on peut se féliciter de cette victoire. Mais bon, c'est pas suffisant. On va. Ah bah voilà, là on s'enfonce. Là on s'enfonce. Alors, bah, j'espère que c'est pas un cul-de-sac. Mais ça m'intéresse. Parce que je voudrais. Je voudrais quand même me prendre un bon bonus de temps là. Et comme on l'a dit dans les épisodes précédents, avec le fer, c'est pas suffisant. 3 minutes à chaque fois, bon. C'est vite écoulé. Voilà, encore une fois, je vais mettre le chronomètre à zéro. Non, là, il n'y a rien. Bon, alors, on sait que je... Oui, ben, il y a là-bas, là où on a croisé les mobs. Allez, ça fait du fer en plus. Au pire, là, on va ramener les fours. Hop. On va ramener les fours et je vais sûrement aller m'installer plus loin. Donc finalement les fours c'est peut-être une meilleure politique que. Enfin les fours, le fait de jouer en nomade plutôt que d'avoir une base. Je sais pas, parce que les allers-retours finalement c'est quand même une perte de temps assez conséquente. Ouais, parce que si on garde les fours comme ça dans la haute barre. Enfin bon. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait s'enfoncer vraiment bien, quoi? Parce que là, on est à la couche 46. Oui, bah non, ça va pas. C'est pas là que je vais trouver du diamant. Ah, là-bas, il y a un truc inexploré. En toute façon, maintenant, on n'a plus besoin de retourner à l'endroit où j'étais. Alors, oui, bah c'est ça, oui, bah d'accord. Bah, j'ai tout fait. Mais l'endroit où il y avait la sorcière tout à l'heure, là, est-ce que... Ouais, bah il y a aussi ça, tiens, que j'ai pas... Ah si. Non, par là, est-ce que c'est exploré là? Non, là, c'est pas exploré. C'est quoi cette petite particule bleue qui passait devant moi? Je sais pas si vous avez vu. Rien de bien important. Hop. Bon, alors là, on va avoir pas mal d'explorations à faire. Ah, mais là, on sent... Ouf, là, on s'enfonce. Par contre, comme je l'ai dit, j'aime pas les grandes ouvertures. Parce que, bah, avec les mobs... Ouais, forcément. En plus. En plus, le peu de temps dont je dispose fait que je descends souvent à pic. Hein. Donc c'est encore moins sécurisé. Bon, je pense qu'on va s'installer à nouveau pour faire cuire du fer. Puis je prends un charbon par-ci, un charbon par-là aussi, de temps en temps. Je le fais sporadiquement, puis en plus ça vous ennuiera moins, je pense. Donc on va peut-être se réinstaller ici, le temps de faire cuire ce fer. Une source d'eau, ça pourrait être pas mal, mais est-ce que c'est la priorité? Enfin, une source d'eau, un seau d'eau, quoi. On va garder aussi une place de libre exprès pour les. Ouais, mais sauf qu'elle va pas rester libre de toute façon. C'est pour les blocs, pour pas perdre de temps, les reprendre dans l'inventaire. Enfin bon, c'est pas grave. Des torches, j'en ai déjà plus. Et puis le bois. Le bois.
Bon, le charbon, c'est pas grave, il y en a partout. Mais le bois, j'aurais dû en prendre un peu plus. Alors, ça nous ferait vraiment perdre du temps de devoir remonter, par contre. Bon, je peux déjà... Non, pas tout à fait. Il faudra aussi que je repose, de toute façon, au pire, la hache, on n'en a pas trop besoin. Hop, je vais garder ça là. Que je repose à l'atelier. Hop. Ouh, la sensibilité là, de la souris, elle est un peu élevée. Hop, ça reprend du fer en masse. Enfin, en masse, pas tellement. Bon, ouais, alors là on remonte, c'est pas la peine. De toute façon, il y a pas mal d'endroits à explorer. Et on n'a plus que 5 minutes, donc on va aller à l'essentiel, hein. Hop. Le fer. Ça fait un seul bloc. Voilà, on va se reprendre encore 3 minutes de temps supplémentaire. Tiens, on va se refaire tout de suite un deuxième bloc. Hop, ça nous laisse quand même une marge. Vaut mieux se garder quand même toujours une bonne marge, hein, parce que, bon, comme on a pu le voir dans les premières saisons, si on est trop juste, on perd du temps bêtement et c'est là qu'on est. On est foutu, quoi. Donc toujours garder une bonne marge de temps. Oh, vous. J'irai pas jusqu'à dire que vous m'intéressez pas, mais. Bon. Donc. On est à quelle couche là? 44, on est toujours trop haut. Hein. J'arrive pas à trouver un truc qui s'enfonce, mais bien quoi. Peut-être par là justement, mais bon. On va y retourner, hein. Au pire, c'est pas grave. C'est qu'un squelette et une. Et un zombie. Oh, par contre, oui, on va peut-être bouffer avant. Et couper l'eau. Hop. Pourrait toujours aider. Allez, hop, on va y aller comme ça. Hop, 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 hop. Oh, hop, hop, putain. Oh, putain. Là, c'était un peu chaud. Bon, il y a... D'accord. Il y a un squelette là-bas. Bon, essayez de l'ignorer. Faut pas que je perde de vue les fours. Parce qu'il y avait encore du fer dedans. Merde. Bon, ça je reconnais cet endroit. Ah bah non. Non, je peux passer là. Bon, on va prendre le fer, ça va, je garde encore 8 minutes. Hop. Et après, il va falloir que j'aille le faire cuire parce qu'il faut quand même pas oublier le temps de cuisson, hein, qui n'est pas du tout négligeable. Oh, du fer, je crois que... Ouais, non, j'ai que 9 sur moi. Bon, on va pas aller s'aventurer trop loin. Bah voilà, c'est bon, je vois les fours. Allez. Oui, par contre, bah du coup forcément, toujours le même problème. Hein. Là, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour.
Donc je vais être obligé de redéplacer ma petite base. On va se reprendre peut-être un tout petit peu de charbon en attendant que le fer cuise. Simplement pour pas tomber à court. Hein. Hop. Allez, on va se reprendre encore un peu de temps. Ça va nous ramener à peine 10 minutes. Mais c'est bien, on survit comme ça, hein, finalement. On survit, hein, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de marge, quoi. Ouais, bon, on va attendre que ce soit fini ici. Mais il doit y avoir des stratégies hein, un peu plus affûtées que la mienne. Enfin, que la mienne. J'en ai pas vraiment, en fait. J'ai des principes comme ça, mais bon. Bah, on va profiter pour reprendre le fer. Et peut-être me refaire des pioches aussi. Le fer, on va le garder pour plus tard. Là, je vais aller déménager. J'aime pas trop ce passage. Je vais l'élargir un peu. Hop! Voilà, on va juste faire bah une pioche en fer. Je vais quand même économiser les bâtons parce que. Hop. Bon. Allez. Allez, on repart par là. Ah, ça c'est ce que je voulais, une mine abandonnée, c'est parfait. Et c'est surtout peut-être plus intéressant pour le contenu. Donc, alors on va se débarrasser du creeper déjà. Et c'est bon, je le touche d'ici. Ah, il y en a un autre en plus. Si tu pouvais faire péter ton copain aussi, bon. Alors, on va s'y prendre autrement. Puis c'est vrai qu'au niveau des armes, je suis pas non plus... Alors là, je suis pas du tout dans une bonne position. Je sais pas où ils sont les creepers, mais... Oh, il y a un squelette, j'ai peur. Oh putain. Oh bah merci, t'as fait péter l'autre. Comme ça, c'est parfait. Et du coup, la bonne chose dans tout ça, c'est que ça va me faire du bois. C'est assez pratique. Et les coffres, ça peut vraiment être intéressant. Alors, oh bah oui, d'accord, ça c'est intéressant. Ouh, le melon, ça m'intéresse aussi. Je vais aussi prendre le coffre. Bon, le minecart, c'est pas forcément utile, mais... Hop. Il va falloir qu'on refasse cuire du fer. Mais trouver des lingots comme ça dans les coffres, c'est vraiment pratique. Peut-être sortir une pioche ici. Ah, et j'ai déjà plus de... Bon, alors heureusement, maintenant que je suis dans une mine abandonnée, bon, le bois, ça va plus trop être un problème. Hop. D'ailleurs, on va même s'en prendre un peu. Hop. Et du fil aussi si je veux me faire un arc. Hop. Bon, et alors où est-ce qu'elle continue cette mine? Cette mine, abandonnée. Pas par là, pas. Oh de l'or, tiens. Ça c'est bien. De l'or, c'est intéressant, mais il m'en faudrait 9. Là j'en ai 2. Il n'y en a pas autour. Et puis on va faire cuire les trucs. Parce que le temps presse. Bon bah c'est parfait, on est dans un cul-de-sac, on va pas trop être emmerdé là.
9. Ouais, on va tout mettre. Quoique, non. Parce que de toute façon, il me faudra 2 charbons. Donc, hop. Le charbon d'ailleurs qui manque, hein, mais bon, ça le charbon, c'est pas plus dur à trouver. Hop. Juste reprendre un peu en attendant que ça cuise. Et 14 minutes, oui, ça va. Et on va se reprendre du temps. Un petit vernis. Hop. Hop. Bon, et ben on est refait. Enfin, refait. Ouais, c'est toujours pas assez pour vraiment pas être. Oh, on va peut-être faire cuire ça tout de suite. C'est pas assez pour être vraiment tranquille, hein, évidemment. Ouais, les pastèques, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, cela dit. Plus ou moins, parce que de toute façon, ça c'est dans cette aventure-là, je sais pas si je pourrais un jour me faire des potions. Hein. Parce que oui, les pastèques, c'est pour les potions de santé. Mais bon. Ah merde, bon. Mais je pense pas qu'on ait l'occasion de s'en faire. Ah oh, peut-être. Si je trouve du diamant et que j'ai vraiment beaucoup de temps. On pourra toujours se faire des trucs un peu plus. Un peu plus dans l'esprit de Minecraft moderne, je dirais. Ça aller dans le, enfin, aller dans le Nether, se faire des forteresses du Nether. Enfin, moderne, moderne. Ça fait déjà plusieurs années hein, que les forteresses du Nether existent. Mais. Ouais, si on a beaucoup de temps, oui, on pourrait éventuellement sortir des grottes et puis... Ouais, faudrait voir. Hop, bon, bah c'est bon de le faire, c'est bon. Hop, bon, on va essayer de trouver la suite de la mine abandonnée. Je vais juste retourner. Voilà. Et 15 niveaux, hein, mine de rien, hein. Bon, ça va assez vite. Alors, est-ce que du coup... Oh, bah non, j'ai oui, j'ai consommé tout hein, pour les minerais. Apparemment, ça continue par là. Hop. Bon, là, c'est là. Je suis arrivé, bah il y a aussi une suite hein, ici. Hop. Bon encore une fois, ça va pas du tout être méthodique l'exploration. Je vais vraiment aller dans tous les sens, comme d'habitude. Ça, c'est tout moi, hein, vous inquiétez pas. Hop. Mais je vais là où c'est attirant, quoi. Hop. Enfin, attirant de toute façon. Bon, là, il y a du fer, mais je pouvais pas le voir de là-bas. Il y a du fer et une grosse veine. Bon. De toute façon, d'ici 2 minutes, il va encore falloir qu'on s'arrête pour regagner du temps. C'est pour ça qu'il faudrait des gros minerais, quoi. Mais bon, 9 diamants, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, quoi. C'est un peu le problème. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a du fer ici, ce qui est une bonne chose. Ouh. Sais pas ce qu'il me fait là. Il y a un petit, il y a une petite latence, oui. Bon, on va poursuivre dans la mine abandonnée. Je pense que c'est plus ça, c'est beaucoup plus simple pour trouver des minerais. Hop. Bon, tout ça, on va les laisser là. Là, ça s'enfonce, ce qui est plutôt une bonne chose.
Puis j'ai laissé des trucs en haut, enfin bref, comme je vous dis, c'est vraiment dans tous les sens avec moi. Puis ça fait longtemps que je suis pas retourné à ma petite ba à ma petite base là-haut, là, la première. Ça, c'est une bonne nouvelle, on est à la couche 14, on va peut-être pouvoir trouver du diamant. Ce serait vraiment intéressant, puis du charbon, pourquoi pas. Le pain, oui, bon, l'armure de cheval. Et parce que là, couche 17. C'est un poil haut pour le diamant. Alors là, il y a du bois, ça veut dire qu'au-dessus, il y a un étage. Hop. Enfin, il y a un étage, il y a même un... Ok. Il y a un donjon d'araignée bleue. On va peut-être pas se le faire pour l'instant. Mais en tout cas, là, on a... J'aime pas du tout ces trucs-là. On arrive très bas. Bah, le seul problème, c'est que la mine abandonnée ne se poursuit pas. Bon, écoutez, on va aller s'installer par là. On va peut-être creuser un peu autour. Enfin, je vais plutôt me faire la base ici, en fait. On va séparer encore. Hein. Ouais, ça pourrait être intéressant de creuser un peu autour, hein, au cas où, hein, on peut aussi essayer de se la jouer à la chance. Bah, mine de rien, ouais, non, parce que... Non, on va pas faire ça. Parce que là, j'ai de quoi me faire qu'un seul bloc de fer, et puis voilà, il reste pas énormément de temps. Oh, bah tiens, 21 minutes, donc je vais mettre fin à ce... Troisième épisode et on continue l'exploration de la mine abandonnée dans le quatrième. Donc bah je vous retrouve ici. On va boucher pour l'instant. Aïe, aïe. On va boucher pour l'instant et bah on verra ça dans le prochain épisode. Donc je vous retrouve. Je vous dis à plus tard.